Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Pour ma part, ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue codage. Comment se faire de magnifiques tenues avec jogger de couleur qu'il faudra récupérer dans une activité, avec protection, ceinture avec revolver, badge et plaque, gants et chaussures de tronc et autres. Les potos, grâce à un nouveau codage qui n'est encore jamais sorti, on a la possibilité de se faire de magnifiques tenues. Je vais faire trois tenues. Une tenue orange avec jogger orange, protection, ceinture avec revolver badge, une violette et une tenue noire avec stickers. Les potos, vous pouvez aussi aller dans l'activité avec un gilet de PDG. Ça rajoutera le gilet de PDG sur la tenue. Par contre, vous n'aurez pas le badge et la plaque. Prochainement, je vous ferai une vidéo avec le gilet de PDG, la ceinture et le badge et la plaque. Dans la description, je vous rajouterai un lien du Social Club pour récupérer le jogger violet et le jogger orange. Les potos, n'hésitez pas à en parler à vos amis qu'on a la possibilité de se faire de super tenues avec jogger, protection de couleur, plaque, badge et revolver. Donc, on va commencer par prendre le second personnage, le personnage féminin. On va se rendre dans un magasin de vêtements. La première tenue que je vais faire, ça sera la tenue orange. Donc, pour faire la tenue orange, on va commencer par faire d'abord le badge et la plaque IA. Donc, on va dans les pantalons, pantalon de sport, et on va mettre le pantalon de sport ample léopard numéro 1. Une fois que c'est fait, on va dans les vêtements du haut, on va dans débardeur, et on va mettre le débardeur blanc cassé numéro 95 sur 99. C'est la brassière blanche. Blanc cassé numéro 95 sur 99. Une fois que c'est fait, on va aller aux accessoires et on va rajouter le collier petite perle blanche numéro 11 et la paire de gants blanc et vert renforcé numéro 2. Donc ça, c'est la tenue pour avoir le badge. Et je sauvegarde la tenue sur le premier emplacement, par exemple. Il faut que les tenues se suivent, les poteaux. Donc je sauvegarde la tenue, je vais faire la deuxième tenue, c'est pour avoir le haut avec le revolver. Donc je vais aller dans les vêtements du haut, sur l'onglet T-shirt trafic d'armes, et je vais mettre le T-shirt trafic d'armes retroussé bleu, pixel numéro 22 sur 60. Puis on va sur l'onglet blouson de cuir et on va mettre le blouson de cuir JC logo brun clair numéro 45 sur 97. De là, je vais aller aux chaussures pour lui mettre les bottes de tronc orange. On va dans bottes de motard et il va falloir mettre les bottes ouvertes chocolat numéro 22 sur 32. Une fois que c'est fait, on va faire pavé tactile, protection et on va rajouter une protection lourde. Une fois qu'on a mis la protection, on va aller aux accessoires et on va rajouter la paire de boucles d'oreilles Art Déco N et B numéro 40 sur 44. Et là, je vais sauvegarder la deuxième tenue. Je vais faire une troisième tenue, c'est pour avoir la protection orange. Donc je retourne dans les vêtements du haut, veste de costume ajustée, et je vais mettre le blazer marin blanc, numéro 10 sur 34. Une fois qu'on a mis le blazer, on fait pavé tactile protection, et on va rajouter une protection standard. Une fois que j'ai mis la protection, je vais aller aux accessoires et je vais rajouter la paire de boucles d'oreilles Art Déco N et B numéro 40 sur 44. Donc j'ai la paire de gants blanc et vert renforcés, le pantalon léopard et la paire de bottes de la tenue précédente. Et de là, je vais sauvegarder la tenue. Il faut que les tenues se suivent. Les trois tenues que j'ai faites, c'est pour faire la tenue orange. La tenue violette aussi, elle va se faire en trois tenues. Donc je sauvegarde cette tenue. Il faut que les tenues se suivent.
Donc les trois tenues que j'ai faites, c'est pour faire la tenue orange. La première tenue, c'est pour avoir le badge. La deuxième, c'est pour avoir la ceinture de police. Et la troisième, c'est pour avoir la protection. Donc de là, je vais faire la deuxième tenue, la tenue violette. Pour faire la tenue violette, il va falloir commencer par le badge. Je vais prendre la tenue qui donne le badge de la tenue orange. Je vais la mettre sur le personnage. Et je vais la sauvegarder à nouveau dans un emplacement vide pour faire la tenue violette. Donc, je prends la tenue qui donne le badge, je la mets sur le personnage, je la sauvegarde à nouveau sur un autre emplacement vide. C'est pour faire la tenue violette. Donc ça, c'est la première tenue qui donne le badge pour la tenue violette. Je la sauvegarde. Et de là, je vais aller dans les vêtements du haut. Sur l'onglet T-shirt trafic d'armes. Et je vais mettre le t-shirt trafic d'armes retroussé bleu pixel numéro 22 sur 60. Une fois qu'on a mis le t-shirt trafic d'armes numéro 22, on va sur l'onglet blouson de cuir. Et je vais mettre le blouson de cuir logo JC bleu numéro 46 sur 97. Donc ça c'est pour faire la tenue violette. Une fois qu'on a mis le blouson de cuir, logo JC bleu numéro 46, de là je vais aller aux chaussures pour avoir les chaussures de tronc violettes. Je vais mettre les bottes ouvertes usées noires numéro 21 sur 32. Une fois qu'on a mis les bottes ouvertes usées noires numéro 21 sur 32, je vais aller aux accessoires. Et je vais rajouter la paire de boucles d'oreilles Art Deco N et B numéro 40 sur 44. J'ai la paire de gants blanc et vert renforcés, le pantalon et les chaussures. Donc là, je fais pavé tactile, inventaire, protection et je vais mettre une protection lourde. Et là, je vais sauvegarder la tenue juste après la tenue qui donne le badge que je viens de sauvegarder. Puis de là, je vais faire la dernière tenue pour finir la tenue violette, la tenue qui me donne la protection violette. Je vais aux vêtements du haut, sur l'onglet veste de costume ajusté, on va mettre le blazer marin blanc numéro 10 sur 34. Une fois que c'est fait, on fait pavé tactile, protection et on va rajouter une protection lourde. Donc j'ai la paire de boucles d'oreilles, les gants, et là je sauvegarde la tenue juste derrière la précédente. Donc là j'ai fait 6 tenues, j'ai fait les 3 premières tenues c'est pour faire la tenue orange et les 3 dernières c'est pour faire la tenue violette. Il va me rester la tenue noire avec les stickers. Donc de là je vais faire la tenue qui donne le badge. Donc je prends une tenue qui donne le badge que j'ai déjà faite. Je la mets sur le personnage et je la re-sauvegarde sur un emplacement vide. Une fois que j'ai sauvegardé le badge et la plaque, la tenue qui donne le badge et la plaque, je retourne dans les vêtements du haut, sur l'onglet blouson de cuir, et je vais mettre le blouson de cuir JC bleu, numéro 52 sur 97. Une fois qu'on a mis le blouson de cuir JC bleu, on va sur l'onglet T-shirt trafic d'armes et on met le T-shirt trafic d'armes bleu pixel numéro 22 sur 60. Une fois qu'on a mis le T-shirt, de là, je vais aller aux chaussures sur bottes de motard et je vais mettre les bottes ouvertes brun rouge numéro 23 sur 32. Ces bottes vont me donner les chaussures de tronc vertes. Puis je fais pavé tactile, inventaire, protection et je rajoute une protection standard. Cette protection standard va me donner la protection noire sur la tenue. Je vais dans les accessoires, je rajoute la paire de boucles d'oreilles Art Deco, les gants blanc et vert renforcés et je sauvegarde la tenue sur un emplacement vide juste avant la tenue qui donne le badge. Donc là j'ai fait mes 3 tenues. Les 3 premières tenues que j'ai faites c'est pour faire la tenue orange. Les 3 suivantes, c'est pour faire la tenue violette. Et les 2 suivantes, c'est pour faire la tenue noire. Une fois qu'on a fait ces codages, pavé tactile, inventaire, on change de tenue, on provoque
une sauvegarde une fois qu'on a eu le rond orange en bas à droite. De là, je fais Options en ligne, je vais dans l'éditeur Créer une course. Après les poteaux, vous connaissez, hein, Créer une course, course terrestre, information de course, on met un titre, une description. Caméra du salon, on prend une capture, puis on descend sur type de parcours, flèche droite parcours, puis on fait rond, placer la zone d'activation. Caméra du salon, capture, puis on place les points de passage. Et on crée une course de minimum 1 km. Une fois qu'on a créé la course de minimum 1 km, on la teste. Une fois qu'on passe le point d'arrivée, on se retrouve sur cet écran, on fait Options en ligne, choisir le personnage. Et là, on va supprimer le second personnage, le personnage féminin. Les personnages réapparaissent, dès qu'on peut faire rond, on fait rond et quitte l'activité. Ça nous envoie une histoire, une fois une histoire, on rejoint une session sur invitation. Et là, ça nous aura transféré les codages du second personnage sur le premier personnage. Donc je sauvegarde la tenue que j'ai sur le personnage. Et là, je vais aller dans une activité récupérer le jogger orange. Dans la description, je vous mettrai le lien du Social Club pour pouvoir récupérer le jogger orange et le violet. Donc avec le jogger orange que je viens de récupérer, je vais rajouter un maillot de course avec les gants pour avoir les gants sur la tenue. Et de là, je vais aller dans l'activité le point G, récupérer la première tenue, la tenue orange. Tenue possédée, j'invite un ami dans l'activité. Pour récupérer la tenue orange, c'est pareil que pour la violette. Pour récupérer la tenue orange, on va faire trois fois flèche droite. On va faire flèche droite jusqu'à quand qu'on arrive sur la tenue qui a la protection. Une fois sur la tenue qui a la protection, on va faire une fois flèche de gauche pour ramener la protection sur la deuxième tenue qui a le revolver. Et là, on a la tenue au complet. De là, je vais me rendre dans un appartement à la penderie, je vais sauvegarder la tenue et quitter l'activité. J'ai récupéré la première tenue, la tenue orange, la tenue violette, je la récupérerai plus tard. Je vais récupérer la tenue noire. Donc pour récupérer la tenue noire, on va dans pantalon, pantalon polyvalent, et on va mettre le pantalon polyvalent militaire noir numéro 38 sur 38. Puis, on rajoute les gants qu'on veut avoir sur la tenue. Je retire la paire de lunettes, et de là, je vais dans l'activité, je lance le point G, j'invite un ami dans l'activité, tenue possédée. Donc je fais flèche droite jusqu'à quand j'arrive sur la tenue, qui a les stickers, la protection, le plaque, la badge et le jogger et les gants. Donc là, elle est au complet. À partir de là, je lance l'activité et je me rends dans un appartement pour sauvegarder la tenue. Donc voilà les potos, la vidéo elle arrive à sa fin. Donc la prochaine vidéo, ça sera sûrement la vidéo de tenue avec gilet de PDG, la ceinture, la plaque et le badge. À moins qu'il y ait autre chose, mais normalement ça sera la prochaine vidéo. Donc les potos, portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao !